Bonjour et bienvenue dans un nouveau défi Legacy, sur les Sims 4. C'est Bébé Tigrou et nous sommes partis pour l'épisode 0, épisode explicatif. Qu'est-ce que le défi Legacy? Le défi Legacy, alors je suis désolé, je vais regarder un coup l'écran, un coup la caméra, c'est un peu compliqué. Et mes notes que j'ai en dessous, parce que j'ai quand même un sacré pavé. Donc, qu'est-ce que le défi Legacy? Le défi Legacy, en fait, c'est de créer un Sims qui sera donc du coup, comment ils appellent ça eux? Le fondateur, en même temps c'est normal, celui qui fonde un petit peu la colonie. Le fondateur, en fait, qui partira de rien et qui va devoir donc enrichir son héritage et le léguer à la génération suivante. Je vais y arriver. Tout ceci en fait sur 10 générations. Donc le but c'est de partir de rien avec un Sims et d'arriver en fait au bout de 10 générations avec tout un... Enfin, ce qu'on peut. On va faire ça comme ça. Pour cela, donc déjà il faut créer un Sims. Chose que j'ai déjà devancé. Alors je vais lancer la partie de suite en attendant que ça charge. Je pense que pendant le jeu... Non. J'ai déjà un Sims. Où est-ce qu'il est? Gestion des foyers. Voilà. Et ce sera. J'ai oublié son nom plus. Hop. Modifier. Salut. Nia Legacy pour mal changer. Ah, du coup, il y a la caméra qui gêne. La caméra, je change de place. Promis. D'ailleurs, faut que je vérifie où est-ce que je la mets pour plus tard. Parce que même moi, en fait, elle me gêne. Je verrai pour me dépatouiller avec ça. Voilà, donc Nina a comme aspiration à long terme de peintre, à devenir peintre extraordinaire, donc plutôt sur de l'artistique. Oui. donc ça, je finis sous une aspiration muse. Ok, super. Donc elle est perfectionniste, soignée et créative. Dans ça, j'ai encore le choix, donc je préfère en profiter. Plus tard, ce sera beaucoup plus compliqué. Pff, j'y arrive pas. Donc, voilà pour le début. Oui, une chose importante. Les époux, quand on va se marier, quand on va faire emménager des Sims, ils ne peuvent pas apporter d'argent. Que ce soit de quelque façon que ce soit, quand ils emménagent. Après, une fois qu'ils travaillent, ça peut se faire, il n'y a aucun souci. Par contre, pour l'aménagement, ils ne peuvent pas rapporter de l'argent au foyer. Du coup, j'ai un petit code pour retirer l'argent en question. Ça faudra que je fasse attention à ça. Donc, ensuite, les règles de succession. Tu commences un tout petit peu à m'énerver. Vivement que tu meurs. Les règles de succession. Donc, il y a plusieurs règles différentes. J'en ai choisi quelques-unes. Dans une qui est basée donc sur l'audience, l'audimat, entre guillemets. Donc déjà la base. Alors, qu'est-ce que nous allons être? Est-ce que c'est une lignée matriarcale? Je sais pas, parce que c'est matriarcal, donc oui, c'est un matriarcat. Signée matriarcale, matriarcale stricte, c'est pas facile à dire ça. Patriarcale stricte, égalité ou égalité stricte. Je m'explique. Matriarcale, c'est donc la fondateur doit être une femme. En l'occurrence, c'est plutôt bien parti. Mais seuls les enfants femmes peuvent être élus héritiers en fait pour la génération suivante. Ça me casse les. Hein, voilà. Bonbon. Parce que je ne joue pas, en fait j'ai plutôt tendance à jouer justement avec les femmes sur les Sims et pas les hommes, donc du coup je trouvais ça un petit peu trop, comment dire, simple. Donc le matriarcat se base donc si c'est que des femmes, seulement donc si, imaginons Nina n'a pas d'héritier femme, mais que des garçons. Et bien du coup, on a le droit d'avoir des garçons. Par contre, la génération suivante, c'est pareil. C'est seulement les filles en premier, puis les garçons s'il n'y a pas de filles. Ce qui n'est pas le cas du matriarcat strict. Il n'y a que des filles. Les mecs, ils sont out. Patriarcat strict, c'est le même principe, sauf avec les mecs.
Alors, vu que je n'aime pas du tout jouer avec un Sims mec, je trouve ça un peu relou. Ouais, je sais, je suis bizarre. Donc voilà, je vous explique que le principe, c'est le même que pour Matriarca, sauf que c'est un garçon et non une femme. Un homme, pardon. L'égalité, et l'égalité stricte. Donc l'égalité, c'est n'importe qui peut être élu héritier, donc garçon ou fille. C'est sans discernement, c'est pas soit l'un soit l'autre, c'est comme je décide. Ou vous décidez. Donc j'ai plutôt choisi moi l'égalité stricte. Donc un coup un homme, un coup une femme, un coup un homme, un coup une femme. Parce que ça sur 10 générations, ça m'oblige à m'occuper d'un Sims différent, un Sims principal différent à chaque génération. Ce qui est plus intéressant en fait, je pense. Ensuite, la lignée. Il y a le strict traditionnel, le moderne et le strict orphelin. Strict et traditionnel, ce que j'ai choisi, en fait, c'est pour être admissible, donc à être nommé héritier, les enfants doivent être nés naturellement de ses parents de la génération précédente et être capables de tracer une lignée ininterrompue, pardon, de retour au fondateur. Les enfants adoptés ne peuvent jamais être héritiers. Ah. Étant donné que je n'adopte jamais dans les Sims, disons que c'est un truc que je fais de base. Donc en fait, j'ai pas vraiment choisi. Je crois que j'en ai oublié un. Hein. Je crois que j'ai oublié Orphelinataire. C'est pas grave. J'y viendrai. Oui, donc vu que je n'adopte jamais dans les Sims, je ne vois pas l'utilité en fait de faire ça. Enfin, d'avoir un choix. Disons que le choix, c'est vraiment proposé de lui-même. Donc le traditionnel, c'est si je viens à adopter, et eh ben. Ça serait l'occasion. Enfin, c'est encore peut-être sujet à changer, on ne sait pas encore. Mais pour l'instant, je pense que je vais rester sur la première partie. Ensuite, le moderne, les enfants nés naturellement et adoptés sont admissibles à être nommés héritiers. Donc, c'est-à-dire que tout le monde, en fait. Traditionnel, c'était quoi du coup? Ah oui, donc sauf si j'ai pas d'enfants naturels, en fait, les enfants adoptés peuvent être héritiers. D'accord, ok, ouais, en fait, c'est le même principe. Le moderne, c'est que ce soit les enfants naturels ou adoptés en fait qui sont héritiers, comme ça, comme on décide. Le orphelinat, ce sont les enfants adoptés qui passent en priorité au niveau de l'héritage et non les enfants naturels. chose qui est un peu chiante parce que je ne fais jamais d'adoption, comme je vous l'ai déjà dit. Et le strict orphelinat, eh ben, ce ne sont que des adoptés. Qui sont les héritiers? Et ça, c'est franchement relou. Ça m'obligerait à adopter, ça serait chiant. Puis on n'a pas le choix du sexe, tout ça, c'est pas très drôle. Ah, les lois de succession espèces. Alors ça, c'est lié à la donne au travail que j'ai, comme vous avez pu le remarquer, pardon. Donc en fait, il y a quatre catégories. La xénoarchie, la xénophobe, brood et tolérant. La xénoarchie, c'est alternance entre espèces humaines et aliens. Alors, sachant qu'on ne sait pas comment tomber sur un alien seulement en me faisant kidnapper par un alien, ou alors ça m'est déjà arrivé dans une partie de me retrouver avec un alien sans le savoir, ce qui était vraiment relou. Sachant que j'avais pas prévu ça de base. Donc, en fait, il faut que ce soit un coup un humain, un coup un alien qui soit donc bah, à la tête du patrimoine. C'est. Non. Voilà. Xénophobe. Ah. En fait, donc les héritiers sont seulement de la même espèce. Si c'est un alien de base, donc là ce n'est pas le cas, par exemple avec Nina, ce sera que des humains et les aliens n'auront rien à foutre ici. Ils seront éjectés direct. Ensuite, Brood. Brood. le fondateur ou l'héritier doit mettre au monde son enfant. C'est-à-dire que si c'est une fille, il n'y a pas de problème. Si c'est un garçon, chose qui va arriver à la génération suivante, Oh. il faut qu'il porte l'enfant. Donc il va devoir se faire kidnapper par les extraterrestres. Chose qui est. Enfin, j'ai pas encore trouvé comment faire pour provoquer ça, à part aller dans le. Non, même pas dans l'observatoire. Ça se faisait souvent dans les anciens Sims. Il fallait un peu forcer la chance, si vous voulez, en regardant dans le télescope. Et là, je crois que j'ai jamais été kidnappé par les extraterrestres dans les Sims 4. C'est vraiment très longtemps que j'y joue. Il n'est encore jamais arrivé.
Moi, je vais prendre plutôt sur le tolérant. C'est-à-dire que l'espèce de l'enfant n'a pas d'impact sur la possibilité de devenir héritier. Étant donné que je me suis déjà retrouvé avec un alien par hasard, j'ai trouvé qu'il était vraiment plus sympa en fait de tomber là-dessus. C'est au cas où. On ne sait jamais. Et la dernière règle, élection de l'héritier. Alors c'est là où vous arrivez dans la course. Il y a le premier-né, donc le plus ancien devient forcément héritier. Homme, femme, ensuite en fonction des critères précédents. Dernier-né, donc c'est le même principe, sauf que ça sera le dernier. Donc c'est des choses, des règles plutôt basiques. Testament de vie. L'enfant admissible avec le plus haut pointage de relation amicale avec ses parents de leur génération précédente sera nommé héritier. Ça, c'est franchement relou. C'est-à-dire que quand les deux parents sont morts, il faut que je regarde les héritiers et savoir lequel est le plus attaché à ses parents pour qu'il devienne l'héritier. C'est relou. Et puis j'ai pas envie de me faire chier. Le mérite. L'enfant avec le plus de points d'aspiration, ou qui est le plus avancé dans une aspiration lors de la mort des deux fondateurs. Enfin, non, du fondateur ou de l'héritier. Donc pas les deux parents, juste en fait, ben, du coup, Nina, c'est une bêtise tout à l'heure. Donc Nina ou l'héritier, etc. Devient héritier. S'il y a une égalité, l'enfant avec le plus haut niveau de compétence deviendra héritier. Ça, c'est un peu relou. S'il faut faire des calculs, il faut vérifier, il faut checker. C'est le même principe que le précédent. C'est chiant, c'est. Il n'y a pas de plaisir. La force. L'enfant admissible premier-né devient héritier par défaut. Mais les autres enfants peuvent défier ce dernier en combat. Le vainqueur devient alors héritier. Ça peut être drôle, mais non. Non, parce que en fait, je suis pas très fan de violence, donc je sais que c'est qu'un jeu vidéo, mais bon, je suis pas adepte de ce genre de concept. Je te mets sur la tronche pour être héritier, c'est pas. Enfin, bref. Aléatoire. Le petit héritier est choisi. Merci. Elle est enthousiaste au fait de choisir un truc aléatoirement. Le petit héritier est choisi au hasard parmi l'ensemble de tous les enfants admissibles. Vous devez piger au hasard. Ça, c'est québécois, ça. Piocher au hasard. Vous déterminez le prochain. Pour déterminer le prochain héritier. Donc, en fait, c'est vraiment le hasard total. Genre, j'ai 4 enfants, je lance un dé, ça fait 4. Ah, bah, c'est le numéro 4. Voilà. C'est simple, c'est basique, c'est le hasard total. Mais c'est chiant. Enfin, je pense qu'on fait ça surtout pour tout ce qui est partie personnelle. Là, si c'est un let's play, ça va être différent. On va y venir. Exemplaire. Au début de votre challenge, nommez un seul trait. Ce trait doit être l'un des 3 traits de votre fondateur. Tout héritier admissible qui a ce trait va gagner le titre d'héritier. Si une génération n'a pas d'enfant avec ce trait, alors vous devez suivre la règle du premier-né. Alors ça, c'est chiant. C'est les traits de caractère, en fait, que vous avez ici. Je ne suis vraiment pas adepte de ça. Parce que, alors, sachant plus que les traits de caractère sont tirés aléatoirement, on va y venir plus tard. Il y a de fortes chances de se retrouver avec les mêmes traits de caractère que les parents, mais ensuite, plus ça va, et plus les traits de caractère de l'héritier de base, du fondateur, matrice en l'occurrence, vont disparaître. Ils peuvent revenir, hein, c'est de l'aléatoire total, mais ils peuvent disparaître. Donc voilà. Moi, je suis parti pour la démocratie. En fait, si vous racontez votre histoire Legacy, ou si vous la diffusez sur Internet, avec des gens qui vous suivent, ce sont eux qui choisissent l'héritier. Donc je pense qu'on va partir là-dessus, parce que je trouve que c'est un peu plus sympa, beaucoup plus convivial, on va dire. De vous faire un petit peu participer à quelque chose. Au moins, vous serez dans l'ambiance. Du coup, je vais essayer de faire un maximum d'enfants avec, enfin, un maximum, au moins 2 d'enfants du même sexe, opposés à l'héritier principal, enfin, ou au fondateur, pour que vous puissiez choisir. Dans ces cas-là, on fera un vote et tout ça. Ça sera expliqué plus tard. Voilà pour ce qui était donc des conditions. Oui, voilà, c'est tout. Les règles du jeu, donc pas de cheat, pas de code, pas de hack, qui permettent en fait d'avoir un avantage. Tout ce qui est mode qui me permet de changer une apparence, enfin qui me propose rien de plus, si ça change juste en fait une qualité graphique sur le jeu, c'est toléré. Par contre, un code comme le code pour récupérer de l'argent n'est pas toléré, étant donné que ça donne de l'avantage. Si tu veux. Ah. Voilà, tout ce qui est code, hack, cheat, mode qui donne un avantage sont proscrits.
Donc, moi qui ne joue sans code en général, ça me va, sauf si tu as l'argent quand j'en ai un petit peu à le tuer et que je pète un câble et finalement je construis une maison. Parce que je fais que ça, les Sims en fait. on ne peut pas redémarrer après un événement négatif. Tout ce qui se passera, ce sera à prendre ou à laisser. En gros, c'est marche ou crève. Donc même si c'est négatif, même s'il y a une mort accidentelle, s'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, qui ne me plaît pas, je ne pourrai pas revenir en arrière. Ce qui est normal, étant donné que la vie ne peut pas faire... Tu ne peux pas faire CTRL Z quand tu renverses ton café sur ton clavier d'ordinateur. Et ben c'est le même principe. Donc voilà. On peut fusionner d'autres Sims avec le foyer à condition, enfin autre que les conjoints et conjointes, à condition que ceux-ci n'apportent pas d'argent avec eux. D'où le code de tout à l'heure. Ce que je disais en tout début. Donc voilà, c'est clairement explicite. Le défi Legacy doit se dérouler sur le même terrain tout le long du défi. On est fortement encouragé à construire notre propre maison, mais on peut aller en récupérer sur la galerie. C'est plutôt sympa, hein, comme ça, si mes talents d'architecte ne vous plaisent pas, vous pouvez toujours proposer vos maisons. Ça peut se faire. du coup, je pense que. J'ai déjà prévu en fait le tout, donc j'ai créé la SimSet de base. J'ai créé donc le terrain de base, j'ai tout prévu en fait, il n'y a plus qu'à aménager. On y viendra. Les Sims peuvent utiliser la potion pour trouver leur jeunesse qu'une seule fois dans leur vie. Et ça inclut les plantes vache, je crois, attendez. Incluant le lait de plantes vache, exactement. Vous pouvez utiliser le code triche relié à l'âge des Sims et durée de vie. L'âge des Sims. Et la durée de vie de vos Sims doit être réglée sur normal, les options du jeu. Et je crois que ça, c'est de base. Je ne suis pas sûr. Options du jeu, gameplay. Autonomie totale. Ouf. Normal. Voilà. C'est fait. Âge automatique. Sims utilisé. Foyer actif uniquement. Ouais, ça je touche pas. Détecter l'autonomie sur les Sims, c'est. Non, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils sont beaucoup plus. L'intelligence artificielle est vraiment bien sur les Sims 4. Relatif. Tandis qu'ils arrivent à se tenir en vie sans moi, sans Dieu qui les surveille. Masquer défi. Non. Menu social traditionnel, non. Remplir les maisons vides. Non plus, parce que ça c'est relou. Comme ça, au moins s'ils meurent, vous savez que ça va venir plus tard en fait. Comme ça. Parce que du coup, une chose que vous ne savez pas, j'applique le changement, hop. Une chose que vous savez pas, le conjoint ne doit pas vivre dans le quartier. C'est-à-dire que c'est une personne que je dois prendre en dehors des gens qui habitent en fait déjà sur un des quartiers ici, que ce soit sur n'importe quel quartier, de n'importe quelle région, ils doivent pas vivre sur le terrain. C'est super chiant, mais en même temps, enfin, il va falloir faire des allers-retours entre. C'est fou la souris. Entre la galerie et. Savoir si le Sim c'est bien là, donc ça va être un moment chiant. Je pense qu'il y aura des coupures à ce moment-là pour être sûr qu'il soit en dehors des quartiers. Donc voilà. Donc c'est pour les potions. Donc la durée de vie c'est fait. Vous ne pouvez pas changer d'aspiration, l'aspiration actuelle du Sim. Donc du coup, en fait, il faut pour changer l'aspiration donc de Mina Legacy, il va falloir qu'elle termine déjà la peintre extraordinaire pour pouvoir passer à la suivante, sachant qu'il y a des défis, des bonus, des points bonus. Les points sont déployés plus tard en fonction de ce que nous finissons. On ne peut pas faire revenir un Sims de la mort tant que celle-ci n'est pas. Pardon. Une fois que la faucheuse est venue, pardon, je vais y arriver, j'ai sauté une ligne. C'est-à-dire que quand le Sims meurt, je peux prier la faucheuse pour espérer que le Sims ne meure pas, ce qui peut être relou, hein. Si par exemple l'héritier meurt d'un coup et que je voudrais pas tout de suite parce qu'il n'a pas fait d'enfant. Du coup, je peux toujours faire ça. Par contre, une fois que la faucheuse. Voilà, faucheuse est partie, qu'elle a pris son âme, c'est mort, c'est fini. Il n'a pu revenir à la vie par quelque moyen que ce soit.
Non, c'est de la triche. Donc voilà. On ne peut pas déplacer le Sims qui détient actuellement le titre d'héritier. Par contre, tous les autres peuvent dégager de la maison. Et ce sera fortement conseillé parce que ça va vite être l'anarchie. J'ai déjà fait des tests en fait sur une autre partie perso. Un défi Legacy et c'est vraiment vite le calvaire quoi. Il y a des Sims dans tous les sens, on n'arrive pas à gérer. Du coup, soit on les tue, soit on les dégage. les deux sont bien en fait. On verra ça à ce moment-là. Ensuite, tout au long de votre Legacy, votre famille doit être la seule foyer joué. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'aller sur un autre Sims pour les faire divorcer, par exemple. De toute façon, ça servira à rien, ce qui m'est déjà arrivé dans une partie perso. Ça servira à rien, parce que de toute façon, il ne faudrait pas qu'il habite dans le quartier. Donc en fait, le seul foyer actif joué sera le foyer que j'aurais lancé. Ensuite, avec la donne au travail, les Sims peuvent posséder un magasin et on peut les suivre en fait du coup dans la gestion de leur magasin, leur petit commerce. Ça c'est plutôt pas mal parce que c'est ça peut être vite rentable en fait le magasin ou le restaurant ou ce genre de choses. Je crois que j'ai le restaurant en plus. Les conjoints, le challenge est sur 10 générations, donc ta logique est de marier un Sims par génération. Ce Sims ne peut pas être d'une famille qui vit sur une maison sur la carte du monde, ni être un Sims que vous aurez importé de la galerie. Ah! Donc désolé pour ceux qui m'ont rajouté des gens, ça pourrait pas être possible. Les Sims ne peuvent pas se marier pour. Le Sims n'a pas à se marier pour se déplacer, ils peuvent être invités en tant que colocataires. Quoi qu'il en soit, l'invitation doit être faite par une interaction et donc la relation doit être construite jusqu'à ce que le Sims en question accepte une telle offre. Donc c'est-à-dire que je peux pas forcer quelqu'un à venir dans la galerie, le mettre en fait dans mon terrain et dire voilà t'habites avec moi. Il faut que je l'invite. Genre la demande en mariage, voilà, ou demande d'habiter avec moi en tant que locataire, voilà, c'est une demande qui est formulée. Voilà, t'es d'accord avec moi, je le savais. ils doivent être de l'âge adulte, jeune ou plus âgé. Ah d'accord, à mon avis c'est jeune adulte ou plus âgé en fait. le conjoint ne doit pas apporter d'argent. Il est donc obligatoire que le conjoint soit de sexe opposé. Elle ne doit pas nécessairement être de sexe opposé à l'héritier. Ok, je vais y arriver. J'ai sauté une ligne. Le conjoint ne doit pas nécessairement être de sexe opposé à l'héritier, donc c'est-à-dire que c'est totalement possible de faire ça avec emménager deux filles ou deux mecs, ça peut se faire. On y arrivera peut-être d'ailleurs. Gardez à l'esprit que si votre droit de succession permet l'adoption, il n'est donc pas obligatoire que le conjoint soit de sexe opposé. Avec la donne au travail, le conjoint peut être un extraterrestre. Ouais, heureusement. ensuite, le conjoint ne peut pas ajouter de nouveaux fonds au foyer, c'est-à-dire qu'il devra que vous devrez utiliser un code de triche lorsque vous êtes dans une situation qui permet de. Ouais, ok, donc ce que je disais un petit peu plus tôt. Voilà, ensuite, les enfants. Indépendamment de votre règle de succession, vous pouvez toujours introduire des enfants dans votre famille, c'est dégueulasse dit comme ça, via la grossesse ou l'adoption. Ensuite, donc l'héritage, donc, les règles d'héritage permettront en fait de définir qui sera l'héritier. Pour les adoptions, on s'en fout. Votre Sims ou son conjoint doivent être vivants. Mais enfin, bah, j'espère bien. Les enfants ne peuvent pas être adoptés seulement les bébés. Ah, donc en fait, on peut adopter que les bébés. Donc on peut pas dire, par exemple, j'adopte un enfant de 4 ans. Ça prend beaucoup de temps. Enfin, du coup, un bambin maintenant, parce qu'on a des bambins. J'ai pas joué depuis les bambins. Depuis que les bambins sont arrivés, je n'ai pas joué au Sims 4. Ce sera tout nouveau aussi pour moi. Je vais les découvrir. vous pouvez retrouver l'enfant et lui demander, il n'est pas obligatoire que vous changez leur nom au nom de celui de votre famille. Bon, ça, c'est pas dramatique, c'est juste direct sur les enfants. Utiliser les fruits et légumes ou la musique pour choisir le sexe d'un bébé à venir est autorisé, peu importe votre loi de succession. Alors, oui, j'ai entendu dire que en mangeant des carottes, on augmentait les chances d'avoir un garçon, et en mangeant des fraises, on augmentait la chance d'avoir une fille. Pareil, en écoutant certains types de musique, ça que je ne savais pas. Mais je me posais une question, c'est que si tu manges ta salade de carottes en entrée et une salade de fraises en dessert, t'as quoi? T'as androgyne, des jumeaux, je sais pas ce que c'est. Vous me direz, faites le test, dans 9 mois on en reparle.
T'imagines la tranche du bœuf. Voilà, donc je pense qu'on va faire ça, ce genre de choses. On va devoir faire du jardinage, les amis. Génial, ma grande passion. Toi aussi, je le savais. Indépendamment de leur statut, quand un bébé devient un enfant, vous devez choisir, piger encore une fois. Alors, je vais peut-être garder le mot piger parce que je trouve ça fun quand même, c'est québécois. Ça, c'est marrant. Vous devez piger au hasard. Enfin, je sais pas, je pense que j'ai jamais dit ça en français, en fait, piger. Je sais pas si ça se dit. Je sais que j'entends beaucoup les Québécois le dire, mais je sais pas. Peut-être. Peut-être que ça se dit et que je ne sais pas. Enfin bref, vous devez piger au hasard pour leurs aspirations et leurs premiers traits. Donc ce que je disais, c'est que là, du coup, j'ai l'autorisation de choisir ce que je veux pour le tout premier Sims. Ouh! Par contre, les suivants, ce sera de l'aléatoire. Ça va être folklore. Très folklore. J'ai fait 2-3 tests. Je me suis trouvé avec des Sims ingérables. Lorsque l'enfant grandit en adolescent, vous pigez à nouveau au hasard pour leur aspiration adulte et leur deuxième trait. Enfin, vous devez piger une dernière fois pour générer le troisième trait après avoir atteint l'âge adulte. C'est assez amusant en fait au final. Parce que ça fait des Sims vraiment ingérables. Et puis ça permet en fait de gérer des personnalités, vous voyez, sur le long terme. Alors je pense que ce que je ferais, parce que du coup, vu que j'ai qu'un écran, je ferai ça en fait hors cam. Je récupérerai donc quand j'aurai des enfants, je mettrai le nom et je mettrai en fait les traits, je prédéfinirai en fait de base et je marquerai ça sur un papier pour éviter d'avoir en fait, à faire des coupures, ce genre de choses. Au moins j'aurai tout directement sur le papier à côté de moi. Il est interdit de tirer une deuxième fois au hasard, ah, tirer cette fois-ci. Au hasard, l'une des caractéristiques de ce défi est que les traits sont générés aléatoirement pour les enfants de sorte que tout ne soit pas parfait et que chacun soit unique. C'est vrai que c'est beaucoup plus fun. Ça fout vraiment dans la merde parfois, mais c'est Oh. toujours marrant. vous pouvez utiliser cette application sur le site officiel Legacy Challenge, même si en anglais, cela reste très facile à comprendre. Alors oui, alors je sais pas si je mettrai le lien en bas des épisodes. Parce que je trouve ça plutôt marrant. J'ai trouvé le truc, c'est vrai que c'est en anglais, mais ensuite c'est vrai qu'on retrouve. On arrive à retrouver facilement en fait les aspirations. Alors sachant que j'ai déjà toutes les aspirations, moi perso, je me suis. Les traits, tout ça, je me suis fait un petit fascicule avec ici donc tous les traits. Alors je crois que c'est pas comment ça prend de page ça. Ah! 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pages. Enfin, en comptant les enfants. J'en ai 5 plus une pour les enfants. Donc ça fait quand même pas mal de possibilités. Je crois qu'il faut qu'on les ait toutes quand même. mise à jour des règles concernant les fantômes. Parce que du coup, je ne sais plus avec quel add-on on récupère. Ah, non, même pas des add-ons en fait. Ils ont fait une mise à jour pour les fantômes qui étaient tant attendus. Avec les piscines et tout ça. Ça fait polémique, passer un temps. Les fantômes. Alors, il est possible d'utiliser une fleur de chrysanthème pour augmenter les chances de réussite lorsqu'un Sims supplie la faucheuse pour la vie d'un Sims. Donc voilà, c'est possible. On ne doit pas utiliser l'ambroisie pour ressusciter un Sims mort, mais les Sims vivants peuvent en préparer pour manger. Là, il n'y a aucun problème. Vous pouvez inviter un fantôme à faire partie à nouveau de la famille. Cependant, il ne vous apporte aucun point. Tais-toi. Il ne vous apporte aucun point pour le défi Legacy. Il ne peut pas acheter de potions de jeunesse. Il y a plusieurs en fait défis annexes qui sont gérés. Je vais en parler un petit peu plus tard. Alors je suis désolé, c'est vraiment très 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 long en fait comme premier épisode. Si vous voulez, une fois que la Ah. playlist sera lancée, vous pourrez zapper directement au suivant, genre à l'épisode 1. Ouais, parce que là c'est relou. Mais bon, faut tout expliquer parce que sinon c'est un peu complexe. Il y a quand même pas mal, pas mal, pas mal de règles à respecter et pas mal de points à compter. C'est intéressant, c'est ce qui fait le charme de ce défi. Donc, il ne peut pas acheter de potion de jeunesse et toute compétence ou aspiration complétée ou autre réussite de la table des scores ne compte pas. Parce qu'il y a une table des scores. Une table des scores. Vous verrez, je mettrai un truc quelque part dans. Je suis même pas sûr de garder en fait ma caméra au final. Mais je mettrai en fait sur l'écran quelque part en fait un récap des points.
Après tout, pourquoi pas. Sinon, voilà, deux précisions supplémentaires. Alors, ils ne peuvent pas travailler, ce qui est normal. Ils ne peuvent pas immortaliser d'autres Sims, ce qui est normal. Deux précisions supplémentaires. Les Sims fantômes peuvent toujours être immortalisés, mais uniquement par des Sims vivants et qui ont, les ont connus en fait de leur vivant. C'est-à-dire que si imaginons Nina meurt, son arrière-petit-fils ne peut pas l'immortaliser parce qu'elle ne l'a jamais connu. Ce qui est logique, à part son fantôme, je veux dire. Enfin bon. Par contre, aucune précision. Par contre, les fantômes. Alors attendez. Voilà. Enfin, tout fantôme invité qui devient indésirable peut être déménagé comme n'importe quel autre membre de la famille. Ça, c'est évident. Hop, tu me saoules, tu dégages. Ça, c'est facile. Par contre, aucune précision sur les compétences qui rapportent de l'argent, peinture, musique, etc. C'est-à-dire que je peux très bien exploiter un fantôme. Ouais, c'est génial, quand tu seras mort, je vais t'exploiter à mort. Les fantômes, je pense peut-être la garder elle en fantôme, histoire de garder elle en comme l'ange gardien, si vous voulez, de la famille. Je verrai, on verra ça plus tard. C'est-à-dire que tout ce qui est donc peinture, tout ça, écriture de roman, qui rapporte de l'argent, du coup, n'est pas en fait. Peut être comptabilisé dans le livre. C'est-à-dire que normalement, un fantôme ne peut pas rapporter d'argent, donc ne peut pas travailler. Par contre, pour tout ce qui est comme ça, tout ce qui est rapport aux compétences, ce n'est pas notifié. Donc, un petit plus pour nous. Précision du 23-12-2014, super précis. Les fantômes boivent apparemment les stocks de potions de jeunesse mis de côté pour le score de défiance. On va y voir plus tard. Il est donc possible de libérer leur esprit pour éviter la catastrophe. Ouais. Ouh. Ouais. Comme tu dis, ouh. On y viendra. On verra ce que ça donne, parce qu'il faut quand même pas mal de potions de jeunesse à comptabiliser. Ensuite, samedi, pour le tableau des scores, tout ça, blablabla. Bla bla. Et le but est d'avoir 100 points, parce qu'il y a un total de 100 petits points. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Oui, j'ai un trombone dessus, bien entendu. Hop, je ne sais pas si on voit bien. C'est écrit en vraiment tout petit, en fait. 100 points, en plus à l'envers. En fait, ça ne sert à rien. Donc, score 100 points au total. Donc, réparti dans plusieurs sous-catégories. Donc, 10 points pour la famille, les points les plus faciles à récupérer. 1 point par génération. 10 générations, 10 points. C'est simple. Ensuite, 10 points en créativité. Ah, mon téléphone va me parler. Non. Bon, c'est pas grave, elle aura compris toute seule. 10 points en créativité, donc composer une chanson, écrire des sketchs longs, peindre une peinture réaliste avec les compétences peinture, parce que peinte, c'est un peu compliqué. À 8, donc compétences de peinture à 8 minimum. Enfin, tout ça. Pardon, tout ça en fait. Non, ça c'est pour la commémoration en fait d'un Sims. Alors un Sims héritier ou fondateur doit être commémoré par génération. 1 point pour chaque génération. En plus, donc ça la créativité. Du coup en fait on peut composer une chanson pour le Sims. On peut donc écrire un sketch long pour le Sims et le jouer lors d'une fête. Peindre une peinture réaliste avec la compétence peinture à 8. Je pense que c'est ce que je vais faire, parce que c'est vite relou sinon. Écrire une biographie, ça peut se faire aussi. Mais sauf que les Sims, en fait, après, ils rangent toujours les bouquins, ils ne se retrouvent jamais, c'est une catastrophe. Vous pouvez gagner un maximum de 9 points. Le défi se termine à la naissance de la 10e génération et elle ne sera pas commémorée, ce qui est normal. Le 10e point est obtenu en ayant un Sims qui remplit 2 des 3 aspirations créatives dans sa vie. Donc en fait, il faut donc je commémore en fait. Merci. Chaque héritier est la fondatrice. Donc d'une façon que je veux, au moins une des 4 façons prévues. Et le 10e point, c'est si pendant tout le long, en fait, un des Sims. Je sais pas si c'est l'héritier ou pas. Non, un Sims, c'est même pas prévu ici. Donc n'importe quel Sims, en fait, a réussi à remplir les. 2 aspirations sur 3 sur la créativité. Donc, créativité, aspiration, blablabla.
Inspiration, créativité, ici. Donc soit peintre extraordinaire, génie de la musique, ou auteur de best-seller. C'est relou à faire. Mais on va y venir. Ensuite, 10 points pour la fortune. Il va falloir être riche, les enfants. Donc, même si on part sur un terrain vague, la valeur du terrain, en fait, donne des points. En fait, on a un palier donc par pour chaque point. Ça commence à 75 000 pour le premier point, ensuite 120 000 pour le deuxième, etc. Jusqu'à 5 700 000 pour le dixième point. Il va vraiment falloir que je fasse une sacrée baraque. Si je peux essayer de gagner un point par génération, ce serait vraiment sympa. Parce que du coup, c'est assez long au niveau des paliers. On verra ça à ce niveau-là, on se débrouillera. Amour, 10 points. on ne peut nier la perspective externe unique que les époux peuvent apporter. Une famille avec un réseau solide et diversifié aide à croître l'héritage familial à la fois littéralement et en sagesse. Pour tous les 3 traits uniques représentés par le conjoint de votre famille, vous gagnez 1 point. Cela équivaut à un maximum de 9 points si chaque conjoint dispose de 3 traits qu'aucun autre conjoint n'a eu. C'est-à-dire que chaque nouveau conjoint devra récupérer en fait un trait de caractère différent. Enfin, 3 traits de caractère différents de ce qu'on a déjà eu. Alors ça, il va falloir que je trie pour les avoir. Et c'est un peu relou. Enfin, il y a 27 traits uniques quand même, hein, donc au final, on est plutôt bon. Donc, c'est assez faisable, en fait, au final. Il y en a 35 au total, et il y en a 27, du coup, ça en fait 27 différents à récupérer. Ça peut être sympa. Ça peut être faisable. Du coup, le 10e point, donc, du coup, est obtenu avec le 6 qui obtient 2 aspirations d'amour dans sa vie. Donc, les aspirations d'amour dans la vie seront, romantique en Syrie et âme sœur. Alors, ça, c'est chiant aussi à faire. Je déteste ça. Les aspirations, c'est un truc qui me... je les réussis jamais. Sauf la créativité, à la limite. C'est peut-être les ailes les plus simples que je peux faire. Mais sur d'autres Sims. Donc quand ils sont pas très courts en vie. 10 points pour les connaissances. Alors, vous gagnez un total de 10 points pour tout ce qui est compétences qui atteignent... total de compétences. Alors, je crois qu'il y a... pas mal de compétences. Donc, je crois que chaque compétence maîtrisée... Je sais pas si c'est différente en fait. Quelques exemples de compétences, c'est bien. Pour démontrer leur maîtrise, c'est une journée si bien. On va obtenir leurs compétences. Ok, bon, en fait, c'est pas précisé. Donc, en fait, à chaque compétence que j'arrive à monter de niveau 10, chaque palier, hein. Alors, les compétences de l'enfance comptent autant que les compétences d'adulte. Donc, ça peut être sympa pour les enfants à leur faire monter finalement les compétences. Sachant que le premier est à 3 compétences à niveau 10 au total, donc ça pareil, il faudra que je fasse un compte. Je gagne 1 point. Et le nombre total de compétences à maîtriser, c'est 144. Donc oui, c'est un peu long. Ça fait 9 points au total. Ça fait donc 9 points. Le 10e point est obtenu en ayant la maîtrise de toutes les compétences. Cela inclut les compétences de l'enfance, peut être obtenues par différents Sims dans les générations différentes. C'est très gentil parce que sinon c'est affreux, c'est pas possible. Sauf s'il est immortel. Sachant que les fantômes ne peuvent pas le faire. Ah, remarquez, j'ai les vampires maintenant. J'ai pas eu de nouvelles sur les vampires. C'est le même principe. Voilà, donc toutes les compétences, il va falloir les monter. On va rigoler. 10 points pour le sport. Donc les aspirations sportives, je crois. En fonction du nombre total d'aspirations complétées. Oui, donc en fonction total du nombre d'aspirations du coup ici complétées, on a des points. Donc le premier c'est 1 pour 1 point, 2, 2, 3, 3, et si ça passe à 5 pour le quatrième point, etc. Sachant qu'il y a un total de 55 aspirations à compléter. Alors je crois que c'est pas toutes différentes, hein, heureusement. Sinon je pense que je me serais pendu. Donc ça fait 9 points pour les 55 aspirations complétées. Donc ça peut être les mêmes apparemment. Je sais pas si j'ai tout en fait. Je verrai ça. 10e point donc est remporté lorsque vous avez réussi toutes les aspirations d'adultes et enfants. Ça ne doit pas être fait par un Sims unique. Vous devez être total. Donc en fait, si pour avoir un point, il faut que toutes les aspirations enfants et adultes soient remplies. Bon, en même temps, il y en a 55 à faire. Je pense qu'en dessous de l'eau, on va peut-être pouvoir en focaliser certains sur certaines aspirations.
des prédispositions pour les sportifs, par exemple. 10 points pour la nature. Il y a 10 collections donc à remplir. Compléter les 10 collections, donc un point par collection. Je crois. Sur le lot familial, vous avez les Sims. Ah oui, avoir les Sims morts de 10 différentes façons pour mourir. Un point. 13 collections à compléter pour gagner au total de 5 points nature. Alors je me suis répertorié les 13. Alors j'en ai beaucoup plus que 13 en fait au final. Donc ça fait 5 points au total. Donc la première collection complète, 1 point, deuxième, 2 points, 5e, 3 points, 9e, 4 points, 13e, 5 points. Donc c'est assez long à faire. Ensuite, il faut atteindre le plus haut niveau de chaque carrière avec des Sims vivant sur le terrain. Ça fait 1 point. Donc en fait, il va falloir faire toutes les carrières. Ça aussi c'est relou parce que ça augmente à chaque add-on. Atteindre le plus haut de 2 branches de chaque carrière avec les Sims vivant sur le terrain, donc ça va être 2 fois plus chiant. Collecter tous les types uniques de peinture émotionnelle, colère, tristesse, joueur, enjôleur, confiant et inspiré, ça fait 1 point. Collecter et stocker sur le terrain toutes les récompenses d'aspiration consommables. Alors ça, je verrai à quoi ça correspond exactement, parce que je ne sais pas. Alors je ne sais pas du tout, je verrai ça, on en discutera, je ferai mes recherches. Nourriture, 10 points. Catégorie nourriture est un buffet de tâches à effectuer pour vos Sims. Donc en fait il y a plusieurs points, je crois qu'il y a 10 critères. Donc, acheter un réfrigérateur et le poêle, je suppose la cuisinière, la plus chère, et améliorer les deux. Je pense au maximum, donc ça va être pas tout de suite. Fabriquer une omelette norvégienne parfaite, la recette la plus difficile, ça je vous avoue que j'ai jamais réussi à la faire, donc ça va être un point assez difficile à avoir. Avoir un Sims qui maîtrise la cuisine gastronomique et la mixologie, t'as l'air dubitative. Donc voilà, en fait les 3 critères de cuisine. Compléter les 2 aspirations nourriture avec des Sims de la même génération. Cela peut être 2 Sims différents. Donc en fait, dans une génération, il faut que je sépare donc un sur la cuisine. Nourriture, il faut qu'on ait 2. Un qui sera grand chef et l'autre mixologue. Donc je pense qu'il va falloir que on joue avec ça. On va essayer en tout cas. Faire grossir un Sim. Un Sim, je suppose, avec les nourritures familiales. Donc il va falloir le faire bouffer à mort pour qu'il devienne énorme. Ça peut se faire. Très facilement. avoir au moins 6 Sims, membres de la famille ou des invités, tous assis à une même table et manger en même temps. Alors ça, ce sera un peu plus tard, quand on fera des fêtes, je suppose. Déjà en train de rêver à ça. On fera inviter à tout le monde à table et puis ils boufferont tous autour d'une table. Ça ira très très bien. Atteindre un sommet de 2 branches de carrière culinaire. Ça peut être simple, de toute façon il faudra le faire pour un peu plus tôt. Cuisiner un repas avec au moins 2 des ingrédients frais de qualité parfaite. Il va falloir vraiment faire du jardinage. De toute façon il va falloir pour les collections. Ouais, moi aussi. Je suis déprimé d'avance. Cuisiner un repas avec au moins 2 des ingrédients frais de qualité. Ça je l'ai déjà dit, ça va, je me répète pas du tout. Avoir un Sims qui fait de la nourriture ou une boisson de qualité parfaite pour un repas de rendez-vous. Alors ça c'est pareil, il va faire des rendez-vous, c'est marrant. Servir un repas de groupe et mixer une boisson, les 2 de qualité parfaite, et les servir au cours d'une seule et unique fête. Je vais rire. C'est tout. 10 points pour la popularité. Donc ça c'est en fonction des médailles d'or, d'argent et de bronze que nous avons en fait. Nous avons des points médailles. Donc une médaille d'or apporte 3 points, une médaille d'argent 2 points, une médaille de bronze 1 point. Donc il va falloir faire des fêtes mais à mort. Sachant que 20 points médaille rapporte 1 point seulement sur le défi, avec un maximum de 9 points pour 1000 points médaille. Le 10e point est obtenu en ayant un Sims qui obtient la médaille d'or dans chacun des 4 types de fêtes et une médaille d'or pour un rendez-vous. Donc en fait, il va falloir bosser vraiment sur les médailles d'or avec un Sims. Alors, je sais pas si un Sims, donc si, un seul Sims quoi. Une médaille d'or, donc il faut qu'il y ait un Sims qui se tape toutes les fêtes et qui fasse un rendez-vous avec une médaille d'or. Ça va être fandard.
Je sais pas combien de temps on en est, j'espère qu'on n'est pas... Enfin, ça va être très très long de toute façon. Et 10 points d'éviance, je crois que c'est le dernier point. Oui, c'est le dernier point, enfin c'est les pénas. 10 points d'éviance. Alors, ce qu'on appelle l'éviance, donc beaucoup pensent du mal et le mal quand il est... quand ils entendent le mot déviance. Et le mal quand ils entendent le mot déviance. Ok. Pas très français comme phrase, mais c'est pas grave. En fait, quand on entend déviance, on pense toujours au côté négatif. Mais en fait, c'est pour tout ce qui est à côté. Là, pour le coup, il propose en fait. Maintenant qu'on s'est dit. Vous gagnez un point en fonction du nombre total de potions de jeunesse qui ne sont pas utilisées sur le terrain de la famille. Il est recommandé de garder les potions dans une petite pièce sans accès. Pour ne pas les consommer par accident, parce que les cils y sont très taquins. Une potion de jeunesse coûte 1500 points d'aspiration. Et donc, nombre de potions, donc 1, 1 point, 2, 2 points, et pour un total de 10 points pour 80 potions. Donc, je pense que je ferai une salle où je mettrai donc les morts, déjà, avec les commémorations, je pense, les peintures. Je sais pas si je mettrai sur un chevalet, on verra ça, de toute façon. Et... peut-être des étagères pour les petites potions. Je sais que j'avais une étagère particulière où tu peux en mettre 5, c'est beaucoup plus facile pour compter après. Sachant qu'il en faut 80, alors c'est pas gagné, ça peut se faire, c'est assez rapide. Ensuite, les pénalités, parce qu'il y a aussi des pénalités. Parce qu'avoir 100 points, c'est bien, mais sans péna, sans risque, c'est pas... C'est pas de défi, quoi. Personne n'aime penser aux mauvaises choses de la vie alors que vos Sims sont certainement attendus pour avoir des hauts et des bas. Il y a des bas qui sont particulièrement faibles et reflètent très mal sur une famille legacy si jamais ils se produisent. Je vais y arriver. C'est une catégorie de points comme tous les autres, à l'exception que tous les points ici sont négatifs et se soustraient à votre score total. Votre but est de soutenir 0 points ici. Si je prends un point négatif, c'est mort, les 100 points, c'est foutu. Donc, moins un point à chaque fois que l'électricité sera coupée pour non-paiement de facture. Moins un point pour chaque fois que l'eau sera coupée pour non-paiement de facture. Et moins un point par enfant retiré par les services sociaux. Chose qui m'arrive très fréquemment. Donc je vais devoir faire super attention. Donc voilà. Donc pour tout ce qui est des conditions... du défi Legacy. Donc je sais qu'il y a quand même pas mal qui ont fait ça sur leur chaîne YouTube. Moi, ça fait un bouton que je suis en stand-by pour tout ce qui est tournage de FF14 et de la suite Minecraft. C'est plus Skyblock Plus. Voilà, j'avais perdu le nom, vous voyez à quel point ça fait longtemps. Du coup, j'ai toujours FF9 qui est en tournage. D'ailleurs, j'ai deux épisodes qu'il faut que je monte d'ailleurs ce soir. Super. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire les Sims Legacy, le défi Legacy des Sims que j'ai proposé donc, du coup sur ma page Facebook. Et on m'a dit oui, même en privé d'ailleurs. Et donc du coup voilà, j'ai toutes les aspirations ici. Je me suis refait des petits trucs, des petites fiches tuto. On peut avoir donc tous les traits de base, les traits, n'est-ce pas? Tous les traits, toutes les aspirations à faire, toutes les morts et comment les provoquer. Sur certaines, parce que elles sont assez compliquées, apparemment, je ne savais même pas qu'elles existaient. Hyperthermie, je ne connaissais pas. Noyade, ok. Embarras, ok. Hystérie, je ne connaissais pas. Colère, je ne savais pas qu'on pouvait mourir de colère. Épuisement, ok. Dévoré par la plante vache, ça c'est très connu. Électrocution aussi. Brûler, la faim et la vieillesse. Donc ça, bon, ça peut se faire. Hein. Donc la liste des morts, tout est là. Et les morts par émotion forte, donc du coup je me suis imprimé tout un petit truc, un petit guide si vous voulez, parce qu'il y a des trucs que je n'aurais pas su, en colère, très en colère et enragé, je ne savais pas qu'on pouvait mourir enragé. Comme quoi j'en apprends, on va pouvoir découvrir tout ça du coup dans les Sims, c'est cool. Sinon donc comme je vous dis, j'ai toutes les collections, alors du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2, 4, 6, 8... 12, 14, 16, c'est ça, 16. Donc vous voyez, 16, alors il parlait de 13, moi j'en suis à 16. Donc on va considérer qu'il y en a 13, si j'arrive à en compléter 13, c'est déjà pas mal. Si je peux en faire plus, si je peux toutes les faire, c'est encore mieux.
Alors du coup, je me suis imprimé dans tout ce qu'il fallait pour savoir que je, quoi chercher et où chercher pour certains trucs. Les images spatiales, par exemple, pour les insectes. Alors peut-être ils n'ont pas compté tout ce qui était collection des add-ons, parce que voilà, les pierres spatiales, tout ça qu'on peut avoir avec la fusée, les insectes qu'on peut avoir avec les avec l'add-on, je sais plus comment ça s'appelle, le truc nature, non, je sais pas, j'ai oublié le nom de ce truc. Quitter Créantine, si je veux quitter ça. Donc je pense qu'il y a quand même certaines collections qui n'existaient pas à passer un temps. Et là, revenir au menu principal. Menu principal, bah si, si, si. Dans le menu principal, tout simplement. Je vais pas sauvegarder tout de suite. Oui, j'ai quand même pas mal de quartiers. J'ai quand même quelques add-ons. J'adore ça, les Sims 4, en fait. J'adore, en fait, surtout créer des maisons, parce que les Sims, en fait, je joue un petit peu, et après, ça me saoule. C'est toujours la même chose. Sauf que là, du coup, là, j'ai un défi. Donc, comment ça s'appelait, ce truc? C'était celui-ci, non? Non, c'est au travail. Destination nature! Voilà, c'était celui-ci. Il y avait des add-ons, en fait, dessus. Au niveau, donc, des collections. Donc, comme j'ai tous les packs d'extension, la vie citadine, la vie vivre ensemble et au travail. Donc c'est plutôt sympa. Les packs de jeux, donc j'ai acheté tous les packs aussi. Donc tout ce qui est vampire, au restaurant, détente au spa et destination nature, le tout premier d'ailleurs qui a existé. Et par contre, donc, tout ce qui... j'ai le pack gratuit donc, de tout Noël. Je vérifie de temps en temps pour voir si je vais avoir un accent. S'ils en font des nouveaux. Et donc tout ce qui est kit d'objets, alors j'ai pas tout, hein, j'ai juste récupéré celui-ci, le kit accessoires vintage pour avoir donc le majordome et certains accessoires qui sont plutôt sympas. En cuisine, qui peut être hyper sympa, surtout pour en fait la sorbetière. La sorbetière c'est magique. Ça vous fait maigrir un Sims d'une façon très rapide. Et sinon celui-ci, objet ambiance spatio, parce que j'adore ça. Le reste, je pense que ça viendra peut-être. Petit à petit, mais tout dépend en fait de comment se déroule en fait le défi. Enfin non, je dis plus une connerie parce que je crois que Patio on me l'a offert. Je ne sais plus. Ambiance Patio, oui, on me l'a offert. Parce que le Dorian m'a toujours dit oui, fais un extérieur. J'ai vu, j'avais rien pour les extérieurs. Bah tiens, hop, on va faire celui-ci. Il y avait aussi un autre que j'avais voulu, c'était le jardin, je crois. Jardin romantique, non, c'est pas celui-ci, c'est la vie extérieure, je crois. En plein air, voilà, c'est celui-ci. Ça viendra sûrement plus tard. Voilà. Donc voilà, donc vous avez pu voir, donc du coup, la fameuse Nina Legacy, je crois. J'ai oublié le nom. Et j'ai prévu en fait de la faire venir donc sur Oasis Spring. Étant donné que ce sont les seuls. J'ai accès à tout. Les plus grands terrains sont ici. Alors je crois qu'on est sur 50 par 50 obligatoire. Donc je crois que j'ai foutu ici plutôt que sur l'autre. Ouais, voilà. Donc j'ai déjà déblayé le terrain pour pouvoir acheter ce terrain là, donc on sera dans le désert. Ça changera un petit peu de l'autre qui est ici, de Willow Creek, qui est très connu, qui est très standard. Normalement on vire toujours, je crois que c'est celui-là, le chenet. Je me marre d'avoir toujours le chenet. Donc voilà, j'ai décidé de changer, mon stylo vient de mourir, je te ferme les yeux. Sinon, Winterburg, il ne semble pas qu'il y ait quoi que ce soit. Enfin, pas de grand terrain. 64 par 64, donc c'est un peu plus grand. Je vous avoue que c'est très tentant. Donc je ne sais pas encore. En fait, je me suis pas trop décidé. J'avais déjà viré en fait sur Oasis Spring. Oasis Spring. Mais je sais pas si je vais pas finir par virer les gens en fait pour qu'on change en fait de décor. Magnolia Promenade. Je crois qu'il y a rien ici. Ouais, c'est tout ce qui est petit add-on de sympatoche. Ici, Forgotten Hollow, ça c'est les vampires, alors j'ai pas spécialement envie, en plus ils ont pas de terrain vraiment excessivement grand. Donc voilà, New Crest, ah ok, donc ça c'est un terrain, le terrain vague de base, c'est là en fait on va implanter tous nos restaurants, tous les trucs comme ça, je pense que c'est ce que je vais faire, quand je vais créer, donc sûrement, parce que ça va me plaire, des boutiques, ce genre de choses, sûrement les créer là-dessus. Et bah disons que ça fera un endroit neutre, une zone commerciale, quoi, si vous voulez. Et San Michio,
suis désolé. Parce que là, en fait, on a tous les buildings. Donc ça, techniquement, non. Voilà. Parce que ça, c'est la vie citadine. Alors, je suis jamais venu ici, encore. Quartier chic. Ah, je peux acheter carrément quartier chic. Pourquoi pas. marché aux épices. Ah non, en fait, c'est des quartiers différents. Quartier de la mode, quartier aux épices. Quartier des arts. Ah, c'est génial, en fait, ce truc. Et bien, on ira. On découvrira. Donc, du coup, ici, c'est mort. Donc, du coup, je pense que je vais peut-être plutôt partir sur... j'avais dit lequel. Windenburg. Oui, c'est celui-là. Donc ceux-là, ils vont dégager, je pense. Est-ce qu'il y a moyen de gérer les mondes? Je peux pas, en fait, il va falloir que je... je peux les dégager, ceux-là. Gérer le foyer, expulser le foyer. On va expulser le foyer et dégager. Ciao. ça coûte un peu cher, ici. Non, je voudrais juste... passer le truc au bulldozer, c'est possible, construction. Ah, impeccable. Je pourrais le faire tout de suite, devant vos yeux, The Busy. Ce mot n'existe pas, cherchez pas dans le dictionnaire. Ça s'écrit avec 3 Z et 2 T, ça fait le, ça forme le mot. Wacket. J'en profite pour regarder l'heure. Oui, donc c'est juste la mise en place, en fait, du coup, du terrain. Ah, c'est relou. Ah, les temps de chargement, par contre, n'ont pas changé. Et j'ai aucun mode encore. D'ailleurs, je suis pas sûr d'en mettre. Je vais essayer de mettre un minimum de choses sur les terrains. Étant donné que. Ça va être. Ça fait ramer le jeu après. Allez! Alors, à tout moment, sans que la production soit perdue. Oui, mais ça, j'ai pas envie. Justement, ça, j'ai pas le droit en fait. Arrête de me dire des choses que j'ai pas le droit. Tout semble mal tourner avec le graphique de terrain maudit. Vous aurez été prévenu. Ah, ah oui, c'est vrai qu'on a les caractéristiques de terrain maintenant. Ah, nous voici donc sur. Ah, elle est géniale en plus. Merde, ça fait chier de la casser. Ah, ah, avec les petits parcs, les petits jardins et tout. Oh, merde. Ah, ah, ah. Mais quoi, des tâches. Il y a un sous-sol. Ouais, en plus, il y a même un sous-sol. C'est génial. Un petit bar en sous-sol et tout. Oh putain. C'est classe, on fera un truc comme ça, je pense. Oui, il est là en plus avec ce sol. Normal. Allez, il y a combien de chambres ici? Ouais, bah je suis désolé les gars, mais. Bulldozer. Donc voilà, le temps que ça passe. Ouais, c'est... Oh, vache, c'est déjà... c'était beaucoup plus long dans les anciens Sims. Alors, pour info, le défi Legacy existe depuis le tout premier Sims, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. La valeur du terrain, d'ailleurs, elle compte. Est-ce que j'ai pas moyen de voir les statistiques du terrain? C'est pas vraiment ce que je voulais faire. C'est pas grave. combien coûte le truc? 12 000! Ah, bah c'est pas plus mal en fait. Parce que du coup, les seules conditions de base. Ah, ouais, non. En fait, le truc de base en 50 par 50, donc en fait, du coup, je les ai virés pour rien. c'est pas grave. Je verrai ça. Ça fera toujours au pire. Au pire, je forcerai des gens à installer ici. Ou je rechargerai vu que encore rien n'a commencé. Non, c'est vraiment dommage. Parce que du coup, ils disent en fait du 50 par 50, mais c'était du temps où ça n'existait pas. Le terrain, donc vous devez coûter 10 000, donc ça fait juste 2 000 de plus. Une décoration n'a qu'à 8 200. Ouais, 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 donc ça laissait pas grand chose en fait sur les terrains. C'est pas grave, de toute façon, je pense en fait que je rechargerai en fait la truc dont je partirai sans enregistrer. Le menu principal, non, allez dans le menu principal, je ne peux pas sauvegarder. Ah, il y a la sauvegarde automatique. Et ben c'est pas grave. On va faire ça, on va faire le test. Du coup, oui, voilà, donc je pense qu'on cherche, on ira là-dessus, sur donc Oasis Spring. Je vais juste vérifier, donc du coup, si ça a été pris en compte ou pas. Ah non, non, impeccable. Ne pas sauvegarder, donc ils sont encore là.
Donc c'est bien, impeccable. Du coup, moi je vais m'arrêter là pour l'épisode 0, donc explicatif, qui était super relou, super chiant, je suis vraiment désolé. Mais il fallait vraiment tout vous expliquer pour qu'on puisse partir sur de bonnes bases, sur le défi de Legacy. Voilà, sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle aventure, ou mes aventures, on verra bien, avec donc la petite Nina Legacy pour le défi Legacy. Ciao, ciao !